d'Afresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.7 Urban FM. D'Afresh Morning. Dans le D'Afresh Morning, on a Yael ce matin. Yael, bonjour. Bonjour D'Afresh. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Pourquoi tu ne dis pas bonjour Gina? Bonjour Gina. Bonjour Yael. Bonjour Yael qui est dans le studio et bonjour à Yael qu'on connaît. Ouais, Yael, l'autre Yael. Voilà. Alors Yael, toi tu es chargée de communication de l'Institut français et tu viens nous parler du programme quoi? C'est ça, de la programmation culturelle. La programmation culturelle, cette semaine qu'est-ce qu'on a? Alors avant de faire un petit rappel sur les sorties cinéma, je veux juste rappeler les nouvelles horaires du cinéma. Donc on a maintenant des horaires à 17h, hein, à tarif réduit pour les adhérents et les non-adhérents. Il y a tous les films français qui sortent le mardi aussi, à tarif très très réduit, donc de 1000 francs à 3000 francs. Et les films jeunesse qui sortent le mercredi et le samedi aussi, donc pour les tout-petits. C'est intéressant. Alors, au programme de la semaine, donc la sortie de la semaine, c'est The Greatest Showman. C'est un film avec Hugh Jackman. C'est sorti hier, le 31, et il y a deux autres dates. Donc aujourd'hui à 17h et samedi 3. C'est un film de comédie musicale américain qui parle du monde du show business et du monde du spectacle. Ah d'accord. C'est très jovial, réjouissant et époustouflant. Hugh Jackman, c'est le gars qui joue le rôle de Wolverine. Oui, c'est ça. Dans X-Men. C'est ça, oui. Ah, d'accord. Exactement. Et il joue avec Zac Efron, pardon, qui était dans, je pense, une série. Tout le monde a suivi 92-210, je pense. Je suis pas sûre. Tu connais la fraîche 92, quoi, Beverly Hills, machin et tout ça. Non, pas Beverly Hills. Mais en tout cas, il est connu des jeunes. D'accord, ok. Oui. Alors ensuite, pour la programmation des jeunes, il y a une animation plutôt sympathique qui s'appelle Dia ou Fouette. C'est quoi? C'est un dessin animé totalement made in Côte d'Ivoire, oui. Africa Toon, et ça reflète en fait l'image, enfin l'histoire. Un Afrique cartoon, en fait, comme c'est un cartoon des Noirs, c'est un Afrique cartoon. Ah d'accord, ok. C'est le studio ivoirien qui s'appelle comme ça. Ah, et en fait, d'accord. Ça retrace la vie du président Oufouette. En dessin animé. C'est ça, exactement. C'est une très belle animation, oui. C'est pour les enfants. Sort cette semaine. Pour les adultes aussi. D'accord. C'est combien l'entrée? L'entrée, c'est 3000 francs. C'est quand? Ça sort le 2. Le 2 février. Vendredi, d'accord, ok. Donc aujourd'hui, jeudi, on a le film de Hugh Jackman. C'est ça, exactement. À partir de quelle heure? 17h. L'entrée est à 5000? Non, l'entrée est à 3000. D'accord. Et 4000. Il y a combien de séances? Il y en a deux autres. Ce sera la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, après, on a combien de films? Juste un. Juste un film à 17h. C'est ça, exactement. C'est trop tôt, hein? Il y a quand même encore des gens qui travaillent. Hier, c'était à 19h30, mais bon, on essaye de varier les horaires. D'accord, ok. À 3000 francs l'entrée. Pour les adhérents, c'est le même prix? Non, les adhérents, c'est 3000 et tarif normal, 4000. D'accord. À part, à part aujourd'hui et demain, on a encore. On a quoi samedi? Samedi, on n'a pas de spectacle. On a juste un spectacle ce vendredi. C'est une compagnie du lycée L'Immaculée Conception. Et le titre du spectacle de théâtre, c'est L'amour contre les barrières. L'amour contre les barrières. C'est d'accord. Ça. Ils ont déjà joué, ils sont habitués de la scène. Et là, ils reviennent sur scène vendredi 2 février. Donc, c'est un save the date. Venez encourager la jeunesse gabonaise. Il n'y a pas un café-concert? Non, il n'y a pas de café-concert. Ce sera que la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura un café-concert. C'est ça. C'est tout pour l'actualité culturelle. Pour l'actualité culturelle de cette semaine. Oui, sinon la semaine prochaine, le 9 février, une date à ne pas manquer, surtout pas. C'est un concert avec le chant de l'Aloé, donc au cœur du baroque. C'est un concert plutôt...
plutôt classique, symphonique, et c'est du jamais vu. Il y aura plus de 50 artistes sur scène. C'est ton avec, type de musique, ça, la fraîche. Oui. Avec Antonio Vivaldi et aussi Vivaldi? Le cœur gabonais à cœur joie. Tu connais Vivaldi? Il a fait quelle musique? Je sais plus, mais si j'écoute, je saurais que c'est ça. Un gars qui n'est pas cultivé en musique classique, dès qu'on lui dit Vivaldi, dit les quatre saisons. Parce qu'il pense que la chanson qui fait... c'est une saison des quatre saisons. Tu c'est pas toutes les quatre saisons. Dans les quatre saisons, il y a l'automne. Ça, c'était quelle saison? Il y a l'hiver, il y a l'été et il y a le printemps. Ok. Ça, c'est le spring. C'est spring, c'est quoi? Spring, c'est le printemps. Le printemps, voilà. C'est ça qui fait... Et l'hiver, c'était quoi? Ah bon, c'est ça l'hiver. Non, non, Gina, non. Et ensuite, ensuite, non, là, je suis intéressée, là, d'après, j'ai ensuite, ensuite. Non, c'est bon, je peux pas te donner les secrets de la musique classique, parce qu'il faut être imprégné. D'après, je dis quoi qu'à l'âne et tout, on va faire comme si Yael n'était pas là. Tu sais ce que l'Institut français prévoit pour le 14 février? Non. Le jour de Valentin. Un film, 50 nuances plus claires. D'accord. À 5000 francs l'entrée. Mais bon, on va communiquer sur ça quand le moment sera venu. Donc, Yael, on a fait le tour de l'actualité culturelle de l'Institut français. On a fait le tour. Okay. Surtout ne pas manquer le concert la semaine prochaine, le 9. Okay. Et ce vendredi avec les petits jeunes du théâtre. D'accord. Merci de rappeler que Yael est chargée de communication à l'Institut français du Gabon et elle est venue nous parler de la programmation culturelle. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Et comme quand l'Institut français du Gabon arrive, c'est toujours MC Solar. Voici Victime de la mode de MC Solar sur les 104.5. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, Urban FM. Urban FM.fm.